Salut tout le monde, c'est Monsieur Plastic Kit. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de la peinture du Sherman. Donc on avait réalisé, on s'était arrêté à la réalisation de du zénithal. Donc j'avais essayé de vous expliquer au mieux sur la vidéo précédente comment réaliser la peinture zénithale. Donc maintenant, la prochaine étape, ça va être tout simplement de passer à la couleur de base. Donc moi je fais ça en 2-3 étapes avant de passer au vieillissement, pose des décalques, etc., etc. Donc j'avais commencé, donc on voit le dessous, j'avais commencé à peindre un petit peu le dessous, donc avec la couleur de base. Donc on voit bien à travers, en fait, par exemple, j'avais mis, c'était un peu plus clair entre les roues, là, entre les passages de roues. Donc on voit bien les reliefs, en fait, de la peinture de base, selon comment vous chargez, en fait. Donc là, je vais essayer de vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Tant que j'y suis, je tenais aussi à vous montrer rapidement où j'en étais au niveau de la peinture des figurines. Donc voilà, j'ai commencé les visages. Donc ça fait partie de la maquette, puisque de toute façon, ils seront intégrés dans le Sherman. Donc ça, c'est le set de figurines Tank Crew US de chez Tamiya. Donc je me suis bien amusé là aussi, toujours au 1,35. Hein. Voilà, c'était juste pour vous montrer rapidement. Et donc maintenant, on va passer à la peinture de base. Donc pour la peinture de base, on va partir sur de l'Olive Drap de chez Tamiya, donc XF62. Et on va venir diluer ça avec du Tamiya Acrylic Paint X20A Thinner. Donc je vais essayer de vous aider pour les doses. Donc pour ça, petite pipette. Et en fait, moi ma référence, bien souvent, c'est le fond de la petite cuve du godet en fait. Ça, vous voyez, ça fait un petit trait. Donc je le remplis jusque là. Généralement, ça me sert de guide. Donc, bon, pourquoi pas, hein, au mieux de faire du goutte à goutte. Donc je le remplis. Vous allez voir, tac, tac, tac. Voilà. Donc là, il y en a un petit peu trop. Ah non, là, il y avait une bulle d'air, mais voilà. Vous voyez, j'arrive pile poil au trait, on va dire. Donc ça, c'est une référence que j'utilise. C'est par exemple, hein, après, vous pouvez très bien faire du goutte à goutte. Parce que les doses, c'est compliqué, en fait, d'expliquer un dosage. Donc, on va rajouter maintenant le XF62. Alors, moi, j'utilise un petit cure-dent, en fait, pour le faire couler. Ça évite de prendre une pipette dans la peinture, parce que je trouve que mettre une pipette dans les pots Tamiya, ça prend trop de peinture. On en met sur le côté et c'est du gâchis. Donc, je préfère directement, je colle, en fait, un petit cure-dent et je le fais couler le long du cure-dent, en fait. Voilà. Donc les doses là c'est compliqué, là je peux pas trop vous dire, je vais remuer et puis si ça me va, on partira comme ça. Donc vu que j'ai mis un peu trop de peinture, je peux peut-être rajouter 2 gouttes. On homogénise bien la peinture, on remue bien et après c'est parti, on va commencer à peindre. Donc c'est parti, un petit essai à côté. Donc là c'est exactement le même principe que la couleur de base primeur noire, c'est-à-dire qu'on va venir recouvrir la maquette intégralement, sauf que c'est à vous de jauger la quantité de peinture que vous allez mettre. Donc en gros, je m'explique, là je commence à recouvrir par le dessus. Par exemple, si je vois que c'est trop blanc encore, rien ne m'empêche de continuer à insister à mettre plus de peinture pour atténuer le blanc. Donc c'est vraiment, vous en faites vraiment ce que vous voulez en gros. Donc c'est ça l'avantage d'avoir une zénithale en dessous, c'est pour éviter après de refaire soit par exemple un éclairci ou un autre éclairci par-dessus la peinture de base. Donc je vais continuer à appliquer la peinture jusqu'à temps que ça me convienne en fait, tout simplement. Voilà, donc là j'ai fini d'appliquer ma couleur de base partout, donc vous faites idem pour le châssis, etc. Donc là j'ai mon rendu qui est plutôt satisfait pour moi. Donc il faut savoir que pour certaines personnes ça va paraître très très clair. Alors on travaille souvent avec une lampe blanche et pas jaune, donc pour avoir vraiment le réel rendu. Donc c'est sûr que ça fait très très vert clair. Après, il ne faut pas oublier que par la suite, il va y avoir donc un petit peu de vernis, il va y avoir les vieillissements, etc. Donc ça va vraiment assombrir et faire un rendu final un peu plus foncé. Tout ce qui sera jus, watch et tout,
par la suite, je vais vous montrer, je ferai une vidéo sur les vieillissements. Ça assombrit vachement le char et les peintures. Donc c'est vraiment à prendre en compte pour pas se faire avoir. Maintenant, ce que je vais faire, c'est faire un petit éclairci. Donc ça, vous n'êtes pas obligé. À l'arrière, vous pourrez très bien dire, bah, là, je m'arrête là. Je mets un coup de vernis, les décals, le vieillissement et tout ça. Mais on peut faire donc un mélange, un éclairci avec notre livre drap. Et j'utilise du XF15 pour faire un dernier éclairci. Donc là, ça va se travailler au pinceau. Et on va éclaircir en fait le dessus des poignets et quelques endroits, les écrous. Et c'est vraiment très léger et vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi je le fais parce que ça fait un gros éclairci au début. Mais quand on va atténuer après avec les vieillissements, je vous dis ça va rendre un rendu encore un peu plus profond. Après vous savez les goûts, les couleurs, chacun fait différemment. Donc moi c'est pour donner... un côté peut-être un peu plus chaleureux à mon char, mais encore une fois, les couleurs et tout ça, je vous dis, c'est très ouvert comme sujet, donc il y en a, ils seront pas d'accord, il y en a, donc c'est un peu chacun fait ce qu'il veut, hein, c'est aussi ça la maquette. Donc voilà, je vais vous montrer donc rapidement ce qu'on peut éclaircir. Donc là, je travaille sur la palette humide, donc là au pinceau, donc très très dilué, parce que si on pousse trop les contrastes, bah ça ira pas. Là je les ai poussés peut-être un peu trop à mon goût, mais bon, je m'arrangerai après pour le vieillissement et les jus, tout ça pour approfondir tout ça. Donc voilà, sans trop insister, juste un petit peu, on peut continuer encore sur le dessus des trappes. Pour les chenilles, on va mettre un petit coup d'après noir primeur de chez Vallejo. Donc je les ai pas oubliés, hein, les chenilles. Les vieillissements, les usures, tout ça, les pigments, ça se fera directement sur le véhicule. Donc un petit coup d'après. Et on va remonter tout ça. Voilà les chenilles remontées. Donc j'ai remonté les chenilles. J'ai mis la petite pelle, la petite hache, tout ce qui va bien. Donc j'ai peint séparément la pelle et la hache, tout ça. Donc je les mets au dernier moment. Donc voilà, on a vraiment une couleur de base. Donc rien n'est fini hein, pour le moment, il y a les autres étapes, mais voilà, on va dire que pour le moment, moi je suis satisfait, je peux passer à l'étape suivante. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, comme d'habitude, un petit like, des petits commentaires qui font toujours plaisir, et on se retrouve pour la suite de ce petit Sherman M4A3. Salut les amis!